Ah oui, d'accord. The stick that you see here is the female stick. Oui, the female. Les femelles. Yeah. Then the other one there, that is the male stick. Men. Ah, men. Okay. The women, no? No, the other one which is having host, that is the women. Yo. D'accord. Yeah. The names of them. Okay. And then you dress them together, you get the hot ash out from there for the fire making. D'accord. Alors, les femmes vont chercher l'herbe. Et c'est les hommes, par contre, qui eux, c'est les mêmes. C'est les hommes qui font le feu. Mais c'est les femmes qui font. Where is the one here? That is ostrich. Autruche. Ostrich. Now they break in peace. Where? They make holes like that. And then they can make with necklaces and everything like that. D'accord. Yeah. So you can use the stone. So you can do it like this. With a stone here. This one you can hammer it. Regarde Romain. Elle casse. Alors c'est de l'œuf d'autruche. Il récupère l'œuf. Elle le coupe en petits morceaux, elle le taille en rond. Tradition? Yeah. Ou touriste? Non, c'est juste traditionnel. Traditionnel collier. Yes. Ok. Alors, ils prennent les œufs d'autruche, tu vois. Alors ça, c'est... où il est le gros morceau? Montrez. Ouais, voilà. Ça, c'est un peu l'œuf d'autruche, tu sais, qu'on a à la maison. Voilà. Elles le prennent, elles le coupent en morceaux. Et après, regarde, elle le taille en petits trucs et ça donne ça. Tu vois? Quand t'as ces petits ronds là-bas, possibilité non percé. Patricia, c'est bon. Là, c'est le non percé. Ouais, voilà. Ça, tu vois, elles le prennent. Regarde, elles le mettent là. Et avec les tiges, elles en ressortent avec des petits trous. Regarde. Enfin, elle le là il est pré-percé et elle le perce. Ok. Et ça je crois que c'est une Écrire monsieur. So that is now the common flatberry bush. Common flatberry. Des graines. D'accord. Ça c'est des graines qu'ils trouvent dans la savane. C'est pour ça qu'elles arrivent à faire plusieurs couleurs. Et ça c'est du bois. Tu vois?